Hello, bonjour les amis, comment ça va? Aujourd'hui, on se voit par reflet interposé. Beaucoup de dames me demandent, coach, c'est quoi un peu ton secret, ta routine, tout et tout. Je ne vais pas vous faire un tuto, je ne suis pas une make-up artiste, non, du tout. Mais je me maquille moi-même. Mais beaucoup nous disent, mais toi, tu n'as pas de boutons sur ton visage, un peu, hein? Vous voyez que je n'ai pas de boutons, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai ce secret-là. Je prends beaucoup d'eau. Bon, pas l'eau Evian, hein, pas l'eau Evian, mais je prends beaucoup d'eau le matin dès que je me réveille. Avant de mettre mes pieds hors du lit, je prends au moins ça d'eau. Avant d'aller où que ce soit, je prends d'abord ça. Dès que je me réveille, je prends de l'eau. Et ensuite, j'ai des lotions. Voilà, j'ai pas tout. J'ai des lotions. Je nettoie le visage avec une lotion le matin. Je suis une grosse fervente de Lancôme. J'aime beaucoup les produits Lancôme. Que ce soit pour me démaquiller, que ce soit pour faire mes petits gommages, etc. J'utilise beaucoup les produits Lancôme pour le visage. Donc déjà, mon premier secret, c'est que je bois beaucoup d'eau. Mon deuxième secret, j'utilise beaucoup les lotions. Je ne dors jamais avec le make-up. Déjà, je ne me maquille pas beaucoup. Je me maquille quand je dois sortir. Et comme je ne sors pas beaucoup, voilà, si j'ai des tutos, je dois travailler là, je vais me faire, je me maquille. Je suis une grosse fervente de make-up de MAC. Les produits MAC cosmétiques, je kiffe vraiment. Je kiffe vraiment, même au niveau des rouges à lèvres, tout ce qui est MAC, en tout cas, je n'hésite pas. J'hésite pas MAC, que ce soit ma poudre, mon fond de teint, vous voyez, j'utilise, je vous raconte pas les cracks, hein, mais mes poudres, j'utilise quoi? Dark Mineralized Skin Finish, le natural. Vous voyez que j'utilise, donc c'est pas. Je ne vous raconte pas des cracks, donc je vous montre juste quelques-uns. Bien sûr, j'utilise beaucoup de produits. Mais je suis une grosse fervente de MAC. Ça, c'est pour faire mes. Souvent, je mettais quand j'avais des taches sur ma peau, avant de mettre quoi que ce soit, je mettais beaucoup l'orange que vous voyez là en dessous. Et puis après, je joue avec ça pour les sourcils, pour la paupière, pour masquer mes taches, etc. Et puis le contour du sourcil avec ça. Et puis, whatever, enfin, c'est juste pour vous montrer un tout petit peu, je ne dors pas avec du make-up, je bois beaucoup d'eau, je fais des gommages, très peu, beaucoup, les femmes aiment faire beaucoup de gommages, 3-4 fois par semaine, mais moi non, moi je peux te faire un gommage peut-être une fois toutes les 2 semaines, ou bien une fois par mois, je ne suis pas très 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 gommage, et c'est pour ça que je ne, voilà, je n'ai pas de boutons. Dans la journée, les mains sont sales, vous touchez à beaucoup de choses, vous touchez à beaucoup de gens. Et souvent, les femmes, elles ont tout le temps la main sur le visage. Et ça donne des boutons. Ça donne des boutons. Il faut éviter de toucher le visage dans la journée. C'est rare. Je ne touche mon visage que lorsque je me maquille ou quand je prends mon bain ou bien le soir. Mais dans la journée, vous ne me verrez pas en train de tripoter mon visage et tout et tout. Et si tu as un petit bouton qui sort, il ne faut pas le tripoter. Quand tu le tripotes, ça devient une tache noire. Ça devient un bouton. Après, tu enlèves les croûtes. Déjà, ça fait cracra. Et ça te laisse des taches. C'est pour ça que moi, vraiment, je n'ai pas ce problème-là. À moins que tu aies toujours les désinfectants et puis bon, tu vas toucher ton visage. Mais plus tu touches ton visage, plus tu apportes des saletés sur ton visage. Et ça rentre dans les pores. Et c'est ça qui donne des boutons. Et quand tu manges, bien sûr, beaucoup de charcuterie, des jambons, des trucs comme ça, et bien ça a des répercussions. Les graisses, là, souvent stagnent sur le visage. D'accord? Donc, voilà. Ce que je peux dire, bon, bien sûr, j'ai mes autres produits, de temps en temps, je pourrais vous en parler, mais voilà, mes produits préférés, je suis très Lancôme et je suis très, très mat. Voilà, et beaucoup d'eau à boire. D'accord? Comme ça, au moins, ce qui est sûr, vous aurez une jolie peau. voilà, quoi. Donc, c'est juste un de mes petits clins d'œil, une petite astuce pour mes chéris qui m'aiment. Bisous!